voilà, je m'appelle Tavernier Baptiste, voilà, j'ai 44 ans, j'habite à une vingtaine de kilomètres de Rouen, j'ai une fille de 13 ans qui s'appelle Noémie. Voilà, je suis au CHU depuis une petite dizaine d'années en tant qu'aide-soignant. Arrivé au CHU, avant, voilà, j'ai fait 8 ans d'ambulancier en fait, hein, et j'avais le DEA, c'est-à-dire le diplôme d'ambulancier. Et donc après, venant régulièrement au CHU, j'avais envie de changer en fait de métier pour voir un petit peu autre chose. Et j'ai côtoyé pas mal d'aides-soignants via mon métier d'ambulancier, et ce qui m'a donné envie de venir au CHU en fait. En pneumologie, et depuis récemment, voilà, je suis dans le service du SIX. Depuis ça fait à peine un an. Voilà, le SIX est un service de remplacement en fait, c'est-à-dire que nous allons dans tous les pôles possibles du CHU, c'est-à-dire nous allons de Oissel à Petit-Quevilly, Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume et le CHU de Rouen en fait. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au SIX, c'est qu'il faut se remettre constamment en question. Parce que comme nous allons dans différents services, les protocoles changent, l'organisation de chaque service change. Et donc voilà, il faut se remettre vraiment en question, autant sur les gestes d'urgence que le protocole de soins en lui-même. Voilà, par exemple, nous pouvons aller du service gériatrie sur Bois-Guillaume comme en salle de naissance où les gestes ne sont pas du tout les mêmes, donc il faut vraiment s'adapter par rapport à tout ça, quoi. Le plus dans le métier d'aide-soignant, c'est que c'est un métier passionnant, c'est qu'on en apprend tous les jours en fait. Et voilà, via le CHU, on a l'opportunité quand même d'exercer notre métier au mieux. Voilà, le CHU nous donne quand même les moyens d'exercer au mieux notre métier pour que voilà, les patients passent un séjour plutôt le mieux possible et surtout un confort voilà, qui leur sont adaptés selon les services, quoi, en fait. Si ça vous dit, ben, rejoignez-nous. Voilà.